Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا لي دو باس 17 et 18 من الكتاب المدرسي باركور فرونسي المستوى السادس ابتدائي. عندنا اليوم على غرامير لا فراز نومينال اي لا فراز فيربال. عندنا ان بيتي ديالوغ. رشيدة et امين بارل دو لور سوفونير دو فواياج. يعني رشيدة وامين كيتكلموا على الذكريات ديال السفر ديالهم. رشيدة: L'été dernier, j'ai visité la tour Eiffel. D'accord? Kasprolo, l'été dernier, Saif Madi a nazart la tour Eiffel. Quelle magnifique cité, elle a humin mouqi' ra'i'. Il attire beaucoup de visiteurs. Yani, el mouqi' siyahi, li wa la tour Eiffel, yajdibou le katir min el suyah. Amin, moi, j'ai voyagé en Égypte avec mes parents. Qala ana, safart le Misr, ma'a l'a'ila diali. J'ai vu les pyramides. شفت الأهرامات. Les pyramides هما هادو. Les pyramides. Quel gigantesque monument de la civilisation de l'Égypte pharaonique. يا لهم من مآثر ولا آثار رائعة. Gigantesque يعني gigantesque يعني كبيرة. عملاق الأهرامات كتكون كبيرة بزاف. يعني يعني معالم تاريخية كبيرة ديال الحضارة المصرية الفرعونية. Donc, d'abord le petit dialogue d'Yana. Je vous les questions. Qui sont les personnages du dialogue et de quoi parle-t-il? Je nomme à chercher dire le dialogue. Adna, Rachida et Amin. D'accord? Rachida et Amin. De quoi parle-t-il? De quoi parle-t-il? Il parle. Qu'est-ce qu'il m'oula? Des crayettes, des safars d'Yalhom. Il parle. De leur souvenir de voyage. Parle de leur souvenir de voyage. Dikrayat diel safar dielo. La deuxième question. Entoure chacune des phrases de ce dialogue. D'abord, had l'jumal diel had le dialogue. Radin heto bihom douro lio. D'accord? La première phrase dit le dialogue d'Yana. L'été dernier, j'ai visité la Tour Eiffel. Hadi ya le jumla l'oula. Hadi le jumla l'oula dit le hiwar d'Yana. La phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Hna nokta, donc ça l'est le jumla l'oula. Le jumla tsania, quel magnifique site. Hadi le point d'exclamation. C'est un point. Donc, hadi c'est une phrase. Il attire beaucoup de visiteurs. Hadi الجملة الجملة الثالثة. Donc trois phrases عندنا في la réplique الأولى. Amin, moi j'ai voyagé en Égypte avec mes parents. Hadi la phrase ديالنا ديال le dialogue ou bien ديال la réplique الثانية. J'ai vu les pyramides. Hadi الجملة. Quel gigantesque monument de la civilisation, etc. Hadi c'est une phrase كلها. D'accord, donc à demain les phrases d'Yana, d'Yel le dialogue. La question suivante, combien y a-t-il de phrases dans chacune de ces répliques? Les répliques, à deux la réplique, يعني شحال فيهم الجملة. La réplique هي يعني ديك الحوار ديال ديك الشخصية. Donc la réplique الأولى هي ديال Rachida. فيها 1 2 3 phrases. La réplique الثانية ديال Amin حتى هي فيها 1 2, 3 phrases. Donc, 3 phrases dans chaque réplique. D'accord? Il y a 3 phrases dans chaque réplique. Kazani, bien, la réplique l'oula fait 3 phrases. La réplique tania fait 3 phrases aussi. Compare ces phrases. Est-ce qu'elles contiennent toutes des verbes? Je vous fais le jumel d'yenna ou je vous fais le jumel qui je t'aime la fa'al. Le jumel l'oula. L'été dernier, j'ai visité la Tour Eiffel. Je me loue fiha le verbe. Finawa, c'est le verbe visiter. Conjugué au passé composé. D'accord? 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 Le verbe. J'ai visité. Quel magnifique site, a dit. C'est une phrase, mais il ne contient pas de verbe. Ma fiha, le fiel. Hna, il attire. Ha, le verbe d'yenna. Le verbe attirer. Il attire. Moi, j'ai voyagé, le verbe voyager au passé composé. J'ai vu, le verbe voir au passé composé.
Quel gigantesque monument de la civilisation de l'Égypte pharaonique, hada هاد لا فراز هادي نو كونتيان با دو فيرب دونك قال لكم كلهم كيشتملوا على افعال نو الي دي فراز كي كونتيان دي فراز كي كونتيان ان فيرب اي الي دي فراز كي نو كونتيان با دو فيرب دونك غادي نديرو نو داكور نو غادي تكمل نو اي نو كونتيان با توت دي فيرب يعني ما كيشتملوش كلهم على افعال. Cinquième question, comment appelle-t-on les phrases qui n'ont pas de verbe? Smith, tu peux nous dire que le jumel n'est pas fait en fait? Qu'est-ce que nous des phrases nominales? D'accord? Jumel, yani ismiya ou le que tu t'aimes rire la asma, mais fait de verbe. On les appelle, d'accord? Des phrases nominales. On les appelle des phrases nominales. D'accord, je manipule et je réfléchis. Je relève dans le dialogue les phrases qui ne contiennent pas de verbe. الجمل في النص اللي ما فيهمش اللي ما فيهمش الافعال هما هادو. اللي فيهم quel magnifique site. هذه c'est une phrase nominale. ما فيهاش فعل. وعندنا هذه quel gigantesque monument de la civilisation de l'Égypte. D'accord? Donc, à domaine les deux phrases, les mafihomes, ou bien qui ne contient pas de verbe, à d'inxibom, n'ayez plus. Le jumel loula, quel magnifique site. Ou le jumel tania, n'hiya, quel gigantesque. Quel gigantesque monument. D'accord, ou t'kemmel. Quel gigantesque monument ou ila akhir al-jumla. D'accord, donc le jumel li me fihomch l'fi'l. Je transforme les phrases nominales du dialogue en phrases verbales. Donc les phrases nominales du dialogue d'yelna huma hado, adin houlouhom l'jumel fi'liya, yani gandkhlu alihom fi'l. Exemple, adin nahna mitel. Quelle grande tour. هذه سي اون فراز نومينال ما فيهاش فعل كيل غراند تور كنحولوها لفراز نومينال كترجع فيربال كترجع سيت تور اي غراند دخلنا عليها لو فيرب اتر لا ميم شوز غنديرو لهادي كيل مانيفيك سيت شنو غادي ترجع غادي نديرو سو سيت هاد الموقع سو سيت مالو اي ها هو لو فيرب اتر اي مانيفيك دابا رجعت جملة فعلية مانيفيك داكور سو سيت اي مانيفيك لا دوزيام فراز شنو غادي ترجع هادي كاين جيغانتيسك مونيمون شنو غادي ترجع سي مونيمون داكور غادي نديرو سي مونيمون مالهم سون جيغانتيسك نديرو ندخلو لو فيرب اتر سان جيغانتيسك داكور سو سيت اي مانيفيك سي مونيمون سان جيغانتيسك لا كيسيون سويفونت جو ترانسفورم لا فراز فيربال سويفونت اون فراز نومينال هاد لا فراز هادي سو بيزاج اي تري جولي غنحولوها لجمله اسميه دونك غادي نحيدو لو فيرب شنو غادي ترجع كيل جولي بيزاج كيل جولي بيزاج كيل جولي بيزاج نديرو بوان ديكسكلاماسيون جملة تعجبية كيل جولي بيزاج جو روتيان اون فراز فيربال سي إلي كونستخويت أوتور دان فيرب دان أو بليزيوغ فيرب كونجوكي الجملة الفيربال هي اللي كتكون فيها يعني كتكون مكونة ولا كتمحور حول فعل ولا مجموعة الأفعال كيكونوا فيها دي فيرب كونجوغي أفعال مصرفة إكزامبل سو مونيمون إي مانيفيك باغ إكزامبل هاد الجملة سي أون فراز فيربال فيها أن فيرب لو فيرب هو إتر سو مونيمون إي مانيفيك ديكوفري سو سيت أونيفرسيل ديكوفري هذا سي لو فيرب ديكوفغيغ على لامبيراتيف بريزون
Une phrase est nominale ou le jumla qu'on appelle la nominale si elle est construite autour d'un nom commun. كتكون يعني مشكلة حول واحد الاسم يعني معروف ولا إيش كوما مشترك داكوغ أو لا رونكونتر سوفون أ لورال يعني غالبا فملي كنكونو كنتكلمو هكا أورالمون كنديرو دي فراز بحال هكا دون لي تيتر في العناوين إي دون لي بوبليسيتي وفي الإشهارات الإعلانات إكزومبل كاين مانيفيك مونيمون Ou bien un voyage merveilleux en Afrique. Un voyage merveilleux, merveilleux en Afrique. Safar ra'e ila Afrique. D'accord? Donc, il y a la phrase, la phrase verbale, c'est une phrase qui contient un verbe. Quand tu as un verbe conjugué. La phrase nominale, c'est la phrase qui ne contient pas de verbe. Parce que tu as la phrase, tu as un verbe. D'accord, ou qu'est-ce qu'on a construit autour d'un nom commun. D'accord, je fais la page suivante. Je m'entraîne. Je mets une croix dans la case de chaque phrase verbale. Filmet ben nechi jumla fait le verbe andiro croix. Ces tableaux illustrent des aspects de la civilisation arabe. À la phrase adi, c'est une phrase verbale. Elle contient le verbe illustre. D'accord, c'est le verbe illustrer. Donc adi, c'est une phrase verbale. Voilà le verbe. Quel beau pays, c'est une phrase nominale, ma fiche verbe. J'ai lu un livre sur la civilisation égyptienne. D'accord? La troisième phrase, j'ai lu un livre sur la civilisation égyptienne. J'ai lu, donc c'est un verbe, le verbe lire. Donc c'est une phrase verbale. J'ai lu. Merveilleuse la civilisation andalouse. Merveilleuse, ra'i'a al-hadara al-andalousiyya. C'est une phrase nominale, il ne contient pas de verbe. La mosquée Hassan II est un bijou architecturel, religieux et culturel. Donc, la mosquée Hassan II est, tawa le verbe. Donc, c'est une phrase verbale. Je transforme les phrases verbales suivantes en phrases nominales. Ces récits historiques sont intéressants. C'est-à-dire des phrases qui contiennent des verbes. On va éliminer des verbes. Donc, on va éliminer ou bien supprimer le verbe. Ces récits historiques sont intéressants. Je vais dire. On va dire l'adjectif. On va dire intéressant. D'accord? Intéressant. Virgule, ces récits historiques. Les récits historiques. نصوص تاريخية. Cet espace est agréable. شنو غنرجعوها؟ Quel agréable. هادي نديرو لها quel. Quel agréable. Espace. Quel agréable espace. La muraille de Chine est gigantesque. شنو غادي نديرو لها؟ Quel. ولا نديرو لها بحال هادي. نديرو gigantesque. D'accord, virgule, la muraille de Chine. Ou bien, quelle, yani bjoujhom, daizin. Sahah. Quelle gigantesque muraille. Yani dak sour sin. Quelle gigantesque muraille de Chine. D'accord, la dernière phrase, Ibn Battuta est un grand explorateur de nombreux pays du monde. Yani Ibn Battuta هو واحد المكتشف كبير ديال العديد من بلدان العالم. غادي نديرو Ibn Battuta, virgule, un grand explorateur de nombreux
de nombreux pays du monde. Ibn Battuta, un grand explorateur de nombreux pays du monde. Je m'évalue, je coche les cases des phrases nominales. Quelle fierté! C'est une phrase nominale. Fihash fil. Le palais de l'Alhambra est un célèbre monument Hayae, donc c'est une phrase verbale. Extraordinaire, le musée de Louvre, c'est une phrase nominale, il ne contient pas de verbe. Nous étions passionnés par les lieux que nous avons visités, c'est une phrase verbale, felia, fiha étions passionnés, fiha avons visité. Un événement inoubliable, c'est une phrase nominale. Je complète le tableau suivant. Quel beau pays. On a des phrases nominales. On a des phrases verbales. On a une jumla phrase nominale. On a une phrase verbale. Quel beau pays. Je vais dire. C'est un beau pays, par exemple. D'accord. C'est un beau pays. C'est un beau pays ou là. Ce pays est beau. Ce pays est beau. Là, c'est un beau pays. Cette civilisation est extraordinaire. C'est une phrase verbale. Anhouluha, une phrase nominale. D'accord? Je vais dire là. Extraordinaire. Extraordinaire. Double adjectif. Extraordinaire, virgule. Cette civilisation. Civilisation. D'accord, Hidna, le verbe les voit être. Extraordinaire, cette civilisation. Splendide, l'architecture du grand théâtre de Rabat. Yannira et Ahad l'Henda Salmi Maria, Diel, le Masrah El Kabir, Diel, le Rabat. Je n'en dirai pas. Adin, Nars Nandiro, un verbe. Donc, on dirait l'architecture. L'architecture. Du grand théâtre de Rabat. Malha, l'architecture est splendide. On va dire le verbe être. D'accord? Est splendide. D'accord? C'est un beau pays, ou bien ce pays est beau. Extraordinaire cette civilisation. L'architecture du grand théâtre de Rabat est splendide. D'accord, mes chers élèves, c'est la fin de notre séance. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.